du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde. Notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Donc merci à tous d'être venus aussi nombreux. Au dernier décompte, là on pense qu'il y avait 53 portraits qui ont été accrochés. Donc vraiment un grand, grand merci. Face à la fermeture temporaire de la maternité du Blanc, qui se prolonge, face à l'absence de réponse à l'appel lancé par près de 400 élus, face aux récentes révélations relatives aux candidatures de professionnels non exploités par la directrice du centre hospitalier Châteauroux-le-Blanc, les élus de nos territoires constatent avec une grande amertume qu'ils sont exclus de la République. En effet, ils font l'objet d'un très grand mépris de la part des hautes autorités administratives et politiques. Ils se sentent abandonnés et oubliés. Afin d'exprimer leur très grande colère, ils viennent de mener une action de protestation très symbolique en déposant en ce jour, 28 septembre, devant la sous-préfecture du Blanc, le portrait officiel de celui qui devrait être le garant de l'unité nationale, le président de la République. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.